Salut, c'est Renaud, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va travailler ensemble ce morceau. Je suis quasiment sûr que tu as déjà entendu ce morceau quelque part, parce qu'il est extrêmement populaire, extrêmement connu, extrêmement joué en session aussi. Il y a une raison à ça, si tu veux, c'est que le morceau est excellent, mais pas que ça. C'est que le morceau, il y a une tonalité en fait dans ce morceau qui fait que il est très intéressant. Et après, quand on va chercher à construire des suites de morceaux, des suites de reels, on va souvent intercaler ce morceau. En tout cas, ça marche bien de le mettre après pas mal de reels, ce morceau. Donc il est très intéressant de le connaître, selon moi. Et puis, si tu te poses des questions au niveau du niveau, j'allais dire, en termes de difficulté du morceau, eh bien, c'est pas un morceau facile, mais c'est pas non plus un morceau difficile. Pour moi, il est moyen. Si tu veux, ce qui va être délicat, c'est que, comme la tonalité est un peu particulière, eh bien, on commence dans les graves. Hein. On va pas aller plus grave que le fa dièse. Et on va monter jusqu'au si aigu. Autrement dit, tout est un peu décalé vers le haut et ça peut te surprendre un petit peu. Donc voilà. Et donc les difficultés, ça va être les aigus, ça va être être à cheval sur deux octaves assez souvent. Et puis ça va être les rôles. Voilà, la grosse difficulté, c'est les rôles, notamment les rôles sur le si, tu vas voir. Mais c'est un excellent exercice. Donc voilà, pour deux raisons, je pense qu'il faut apprendre ce morceau. Exercice et c'est un morceau à connaître, tout simplement. Donc, je te replace un petit peu pour que tu vois mieux. Et puis, c'est parti, on va commencer sur un fa dièse. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a servi. Hein. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager cette vidéo aussi. Hein. Ça me fera extrêmement plaisir. Alors ce morceau, il faut l'apprendre, mais il existe aussi dans d'autres tonalités. Hein. Tu peux commencer par un mi aussi. Bon, c'est jouable, hein. Tout le morceau peut jouer comme ça. Mais c'est quand même beaucoup moins fréquent. Hein. La version la plus connue, c'est la première version. Bon, ben, là, je te laisse là-dessus. N'oublie pas de t'abonner. Allez, ciao!